Good morgen, allez, Idan et Shusra, aujourd'hui le Nishmat, Avraham, Mordechai, Ben Yitzhak, Vefani et Dvora, Bat Esther. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude, Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions Maseret Yevamot, Peri Gimel, Mishnah Tet. Shlosha Achin, Nesuin, Shalosh Nochriyot, Umet Echad Mehen, Vasaba, Sheni Mahamar, Vamet. Are Elu, Cholzot, Volumit Yamot, Sheni Mahamar, Vamet Echad Mehen, Yevama Yevo Alea, Shalea Zikat Yevam Echad, Velo Shalea Zikat Shnei Yevamin. Rabbi Shimon Omer, Miyabem Lezo Shirtse Vecholetz Vashniya. Deuxième cas de figure de la Mishnah, c'est Shnei Achim Nesuin Nishtei Achayot, Vamet Echad Mehem, Vachakach Meta Ishto Shal Sheni. Arezu Asura Alav Olamit, Oil Venesra Alav Shachat. Première situation qu'on a trois frères, Reuven Shimon Levi, mariés chacun à une femme, Nochriyot chacun, qui n'a pas de rapport de parenté avec l'une, l'une c'est Rachel, l'autre c'est Esther, et l'autre c'est Tzipora. D'accord? Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Va mettre Echad Mehem. Il y en a un des trois frères qui laisse, c'est Reuven des sept qui était marié à Rachel. Et quoi? Vasaba Sheni Mahamar Shimon fait les Kidushé Mahamar, les fameux Kidushim Mide Rabanan, qu'on fait à la Yevama spécialement. Il fait le Mahamar à Rachel. Maintenant, Shimon, il a une deuxième femme. On a dit qu'elle s'appelait comment? Esther. Shimon et Esther. Et maintenant, il y a une deuxième femme qui s'appelle aussi une deuxième Yevama qu'il a fait le Kidushé Mahamar. Et Vasaba Sheni Mahamar va mettre. Et ensuite, il est mort. Shimon lui aussi, il décède sans enfant. En fait, devant Lévi maintenant, il se retrouve avec deux femmes qui ont le hiboum. D'un côté, il a Rachel, c'est la femme de Réhouven initialement, que Shimon n'a pas encore mariée. Et il se retrouve aussi avec la femme de Shimon, Esther. En théorie, il devrait faire le hiboum avec les deux femmes. Seulement, il y a un problème. Là, il y a un cas très 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 spécial qui va se passer. C'est que, alors, malgré tout, Khamim, on dit, alors d'abord, on fait ça dans les mots. Va mettre Echad Mehem, il est mort. Va Sabacheni Mahamar, le Zem, ensuite, il a fait le Kidushem Mahamar. Va mettre, et il est mort, ensuite, Shimon. Arelu Cholzot Volumitiab Mot, voilà que ces femmes devront faire. La Khalitza et pas le Hiboum, aucune des deux pourra se marier. Shene Mahamar, comme nous dit le verset. Alors là, attention, on va rapporter un verset qui n'est pas en réalité vrai. Mais que, va mettre Echad Mehem, lorsque un décédera, Yevama Yavo Alea. Le Yavam viendra sur elle, sur la mise de Hiboum. Misha Alea, Zikat Yavam Echad, Velo Shala, Zikat Shnei Yavamin. On déduit de là que on fait le Hiboum que à une seule, à une femme qui a une seule Zikat Hiboum, une femme qui est préposée que d'un seul Hiboum et pas qui est préposée par deux Hiboum. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. C'est pas compliqué. En fait, vous allez réaliser, laissez tomber pour le moment la femme de Shimon. On en reparlera après. Pour le moment, on se contente, on s'intéresse à Dina, qui était là, on va dire Rachel, la femme de Réhouven. Réhouven, lorsqu'il décède, sa femme, elle devient Zkouka le Hiboum, elle est préposée au Hiboum devant Réhouven comme pour Shimon, devant Shimon comme pour Lévi. Chacun peut lui faire le Hiboum en théorie. Lorsque Shimon va lui faire le Kidushei Mahamar, les femmes Kidushin qu'on donne à la Yevama, il s'avère que ça va devenir un peu plus sa femme, mais pas complètement. C'est-à-dire que maintenant, la femme, elle est d'un côté encore la femme de Réhouven, donc qui attend que Shimon ou que Lévi fasse le hiboum. Mais d'un autre côté, Shimon, il a quand même rapproché de lui, elle est devenue un petit peu sa femme. Lorsque Shimon décède, il s'avère que Lévi réceptionne maintenant une femme devant lui, qui est préposée au hiboum, que, essentiellement, c'est le hiboum de Réhouven. Mais un petit peu, c'est aussi le hiboum de Shimon. Il doit faire, donc avec une même femme, il va faire deux fois le hiboum à ses deux frères en même temps. Rami me dit, non, tu fais le hiboum à une femme qui attend que tu viennes construire une maison, mais pas une femme avec qui, en allant avec elle, tu vas construire deux maisons, ses deux frères. Là, ça marche plus. Pour quelle raison Ramim ont fait ce décret? En fait, c'est pas un vrai pasouk. D'accord? Ramim, ils ont collé ça sur un pasouk, mais en réalité, c'est pas déduit d'un pasouk. La raison, elle est que, puisque Shimon, il a fait les Kidushei Mahamar à Rachel, il s'avère que maintenant, Rachel, c'est devenu un petit peu la femme de Shimon. Et en fait, lorsque Shimon décède, et que Shimon il a deux femmes, il a à la fois Rachel, la femme de Réhouven, et à la fois Esther, il a deux femmes maintenant. Si on va permettre à Lévi de faire le hiboum aux deux femmes, les gens vont dire, ah, tu sais quoi, lorsqu'il y avait un frère qui était marié à deux femmes, et qui décède, son frère a la misère de marier les deux femmes en même temps. Or là, il n'a pas le droit de marier les deux femmes en même temps. Ça peut même être très grave, il s'est marqué dans le bras, est-ce que la deuxième c'est sur carré, on est sur lave, mais quoi qu'il arrive à lui en soi. De peur que les gens vont venir à dire que, regarde, moi je connais l'histoire de Lévi. Shimon, il est décédé, il a marié ses deux femmes. Donc après, ils vont se retrouver dans un autre cas, dans une autre situation, où il va vouloir se marier avec les deux femmes de son frère. Et ça, c'est formellement interdit.
pour ne pas arriver à cette confusion, Rabbi Mondi dit, tu sais quoi, s'il y a une femme qui tombe devant lui de deux côtés, c'est à la fois la femme de Reuven et la femme qui tombe en même temps, qui va faire la mise à deux iboum avec les deux en même temps, il lui fait plus le iboum et sa co-épouse, pseudo-co-épouse, la femme de Shimon non plus, elle ne pourra plus faire le iboum, ils devront tout le monde faire la khalissa, d'accord? Donc voilà, ça on a fait la première partie, avec Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon, il est cholèque sur tout ça. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit, non, mais yabem le eizo sheirtse de cholèche achnia. Rabbi Shimon nous dit, tu sais quoi, non, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on a peur que les gens vont se dire que tu pourras marier deux femmes, non. Alors tu sais ce qu'on va faire? Tu fais le iboum à une et la khalissa à l'autre. On ne te permet pas de marier les deux, mais il n'y a pas de raison de t'empêcher de te marier avec une non plus. Tu pourras, si tu veux, te marier avec la femme, avec Rachel, la femme de Reuven. Et dans ce cas-là, tu feras la khalissa à Esther, la femme de Shimon. Tu pourras essayer d'être marié à Shimon, et tu feras la khalissa à Rachel. Ok? Et donc, Shimon n'a pas ce pasouk, bien évidemment. Il y a un peu ce cas plus profondément, mais c'est déjà bien, si on comprend comme ça. Ensuite, dernier cas de figure, Shneachim, une notion qu'on connaît déjà. Shneachim, une notion de Shachar, on a deux frères qui sont mariés à deux femmes. Deux sœurs. Reuven, Shimon, à Rachel et Léa. Va mettre Echadmeim. Et un décède. Reuven décède. Une notion que vous connaissez déjà depuis longtemps. La grande question d'ailleurs, pourquoi on l'a répété tellement. Mais voilà, je recommence. Rachel, Shimon, Maria, Rachel et Léa. Shimon, Reuven décède. Rachel se retrouve en théorie. Va poser au Yiboum devant Shimon. Seulement quoi? Shimon, c'est la femme de sa sœur aussi. Donc il ne va plus faire le Yiboum. Et quoi? Va mettre. Mais après, jusqu'à qu'il fasse le Yiboum, il s'avère que Léa, qui était la femme de Shimon, elle aussi décède. Or, on a déjà dit, la sœur de sa femme, lorsque sa femme décède, il a le droit de se marier avec sa belle-sœur, ça c'est permis. Mais là, quand ça tombe par son frère, qui est décédé, et bien puisque là, quoi, Arezo Asura, là, Volamit, elle sera interdite sur lui, il pourra venir faire le Yiboum, ni Khalissa, pourquoi? Ou il vénissera la Fchachat, donc au moment, on s'intéresse, au moment où on tombe devant, où il y a la mise à l'Yiboum qui démarre, est-ce qu'il peut la faire? Et s'il ne peut pas la faire, c'est fini, elle a été repoussée, et c'est devenu interdite par l'interdit de la sœur de son frère. J'explique, je réexplique un peu mieux à la Haoka, vous avez toujours pas compris le truc. Et c'est pas compliqué. En fait, il y a. On fait un petit comeback surtout depuis la première Mishnah, et cette Mishnah, dans les deux ensemble. Il y a, en théorie, faire le Yiboum. Vous imaginez ce que ça veut dire? La femme de son frère, elle est normalement interdite pour toujours. Vous savez ça. Si jamais son frère il avait des enfants, et que son frère décède, il ne peut pas se marier avec sa femme. C'est un issour karet. Dans une situation particulière, Rami m'ont dit, tu sais quoi? Là, la Torah, elle a dit, il y a une mitzvah de se marier avec la femme de son frère. C'est si son frère décède sans enfant. Là, on lève l'interdit très grave de se marier avec la femme de son frère, pour te dire au contraire que c'est la mitzvah de se marier avec lui. Mais si jamais au moment où elle doit devenir sa femme, à ce moment-là, elle a un autre problème. Pourquoi elle ne peut pas devenir sa femme? Parce qu'en plus d'être la femme de son frère, c'est aussi la sœur de sa femme. Parce qu'elle s'est mariée par exemple à 2 heures. Et bien, il s'avère que au moment où démarre la mise à deux iboum, tu ne peux pas la faire la mise à deux iboum. Cette femme, elle est permise complètement en chouk. Elle n'a plus de mise à deux iboum, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.